Let's go, ça marche. Et yop, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur le live de Shintaratsu. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et je suis ravi de vous retrouver sur mon stream. On se retrouve sur Final Fantasy Crystal Chronicle Remastered pour la suite de notre aventure avec Pink. Allez, on y va. Au programme, on devait aller au village de Tida pour terminer notre année. Et c'est ce qu'on va faire directement. Let's go. En tout cas, j'espère que votre petite journée a été bonne. Là, on va se faire un live de 18h. Enfin, il est quelle heure d'ailleurs? 18h. Ah ouais, il est presque 18h, 17h50. Jusqu'à minuit, sans pause. On changera juste de jeu au moment où je serai rejoint par mon petit pote. Mais on va se faire ça tranquillement. Je mangerai en direct avec vous. Coucou Nostin! Où tu viens pour les 10 dernières minutes de ton temps libre? Ça va ou quoi? Allez, go! Ok, 3 coups suffisent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Suffisent. Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Aïe. Ok, on a du soin. On va voir que j'arrive à faire mes combos. Accroche-toi, Capo. Hop, ok, on a soin et brasier, ce qui est bien. Mon dernier coup ne veut pas partir, c'est étonnant. J'ai un peu plus de temps ce soir, j'en profite. Ben, t'as bien raison. T'étais bien reposé aujourd'hui, ça va? Parce que t'étais fatigué hier. Ok. Tac, on a glacier, c'est bien. Eh, dis donc, là. Ok, ça va. Bon, le donjon, ça devrait aller. C'est la deuxième fois qu'on le fait, le donjon. Donc, normalement, en termes de dégâts, on est un peu au-dessus, quand même. En tout cas, faut espérer que ce soit le cas. Merde. Oui, ça va, j'ai récupéré, j'ai travaillé à fois le gaz du coup. Ah, ouais, j'ai vu ton petit tweet. mais what the fuck en fait? Est-ce que c'est normal que le mec vole? Ok. Bon, nous on continue. Là, hein. J'arrive pas à toucher surtout. Ok, ça y est, c'est bon. Perfect. Il a cheat sur 2 mini-jeux d'affilée, ce mec. Oui, non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les bourrins un peu. Mini-jeu précédent c'était sur la pointe des pieds, il a survolé toutes les cases. Ouais bah oui c'est ça. C'est ça. Merde. Hop. On va voir si ça va nous servir.
Ouais. Ok. Allez. Là, c'est la suite ici. Je suis content, je commence à bien réussir sur les mini-jeux. Et j'ai enfin fait mes deux premiers top 1, let's go! C'est bien ça. GG. Ouais, c'est cool, deux. En plus. Ok. Toi, le foot, c'était bien. Bah, pas terrible. Clairement pas terrible. C'est clairement pas le niveau de jeu qu'on avait l'année dernière ou autre. Mais bon, tant pis, hein, c'est la vie. C'est la vie. Non, ça a pas été foufou. Hein. Oh, ils sont chiants avec les marteaux. Un petit épi de maïs. On n'a rien d'autre ici, très bien. On va revenir en arrière parce qu'on n'a jamais été à gauche quand on est arrivé sur la map. Donc on va y aller. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah bon, on n'est pas venu par ici non plus. Mais bon, c'est pas grave. On aura été présent. Pour soutenir. C'est le plus important. C'est mon tour, très bien, je prends mon ami, je prends. Tout à fait, voilà, exactement. Ah bah on a juste un coffre là. Putain, j'aurais dû aller à gauche direct. Ah, autant faire autant de route pour juste ça en plus. Aïe aïe aïe. Ah, je suis pas allé par là non plus. D'ailleurs, notre coupeau qui a déjà pu ses poils. Je l'avais fait bleu, non? Ça repousse vachement vite, ça. J'arrive pas à trouver réellement l'intérêt pour le moment de tryhard des coupes de cheveux de coupeau, mais. Notre mog. Le nom de la map pour le timbre. Oh oui, c'est vrai, il y a un timbre. On est au village de quelque chose. Putain, t'as raison. Village de quelque chose, de Tida ou un truc comme ça, non, je sais plus. Putain, exact, c'est vrai qu'il y a quelque chose ici. J'avais déjà oublié le timbre, moi. Bah, attends, j'attends parce que je sais pas de quel côté ça va être. C'est la ville de quelque chose.
De Tida, ça doit être ça, oui, je pense. Près de la sortie pour la deuxième carte, descendez et allez tout droit. On l'a vu ça. On l'a vu. Près de la sortie pour la deuxième carte, donc ça va être là. Descendez et allez tout droit. Ah, tu veux dire que ça va être par ici là? Ah bah c'est là. Let's go. GG ça. Ah, à droite, pas tout droit. Ah oui, j'ai dit, c'est moi qui ai dit tout droit. Descendez et allez. Putain, mais comment j'ai pu lire tout droit? Bon, ça va, j'ai quand même compris. Let's go. Donne-moi mon petit moque timbre. Ah, il nous en reste plus qu'un comme ça normalement. Un ou deux. Au choix. L'essentiel, c'est de trouver, exactement. Allez, on va pouvoir changer de lieu de map. Deuxième partie. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'on a tout exploré sur cette première partie de map. Et on a trouvé que un artefact, je crois. J'aimerais bien avoir des petits artefacts pour un nouveau champ de commande. Mais je pense qu'il nous faut champ de commande ou force. Là, ça va être ça qu'on va chercher réellement. Ah oui, c'est cet endroit-là, oui, ok. Enfin, c'est relou ici parce qu'il faut tout le temps utiliser brasier. D'ailleurs, on va enlever le brasier plus pour avoir un brasier plus rapide. Ah, c'est une attaque en zone, ça, d'accord. Perfecto. On va continuer en bas toujours. Je sais plus où est la sortie ici. Yes.
cas, il y a un truc pour une porte ici. Une porte qui n'est pas par là. Porte qui est juste ici. Ah, ah oui, je suis con. Je suis en mode, mais pourquoi il en veut pas? Alors, est-ce que c'est la suite par là? Je me souviens plus. Oula, c'est quoi ça? Oh putain, tu fais mal, hein? Oui. Sac à PV toi encore hein. Ça y est. Ouf, t'as tout ça pour ça? Oh le dégoût. Poche de Mog. Poche de Mog c'est bien, c'est ça que je veux. Là, je l'ai récupéré, poche de Mog, alors laissez-le moi. Pour le gars, ils mettent la boutique à jour, sauf qu'ils sont pas foutus de prévoir d'avance ce qu'ils vont mettre en boutique sur la boutique. Oh, ils ont mis bientôt disponible. Putain. Oh, ça marche, ça me dit quelque chose ici. Il meurt jamais lui. Si. Oh, il est anti-magie, lui. Ok. Putain, il faut 9 coups, quand même. Ça, ça faisait rien, ça. Est-ce que ce serait pas le boss là-haut là? Pas encore. Yes.
Pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression des fois je fais zéro dégâts? Putain, la vache. Oh, tout ça pour ça? Avec la suite, je pense ça. On va vérifier, quelqu'un reviendra en arrière, mais... Oh, il y en a deux. Oula. Ça a-t-il les 5 APV d'amour là? Ouais, les mecs, ouais. Ça, il y en a un en moins. Et le boss est bien au-dessus. Oh putain. Il va mettre ses dégâts lui. Les insécateurs là, oh. Ça va ou quoi? Ok. C'est qui le boss? Putain. Attends, je me tape que de la thune avec ces merdes là. Donnez-moi autre chose que de l'argent enfin. Sac à PV d'amour, amour je sais quand même pas. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est rien. I'm tired, Capo. It's your turn. Oui, détends-toi. Tu fais rien d'autre que porter, donc porte un peu quand même. Ah putain, c'est l'autre derrière qui m'a mis le coup. Oh non. Oh j'étais en mode tu vas pas faire comme l'autre. Hein. Il m'a enchaîné deux fois, maintenant j'ai trop peur quoi.
Méga crabe a laissé des traces. Ah oui. Il a bien sûr laissé des traces. Ah putain, ça me remet là, ça? Oh, les enculés. Bon, il n'y avait rien d'autre là-haut, de toute façon, je crois. Bizarre qu'il y ait aussi peu d'artefacts là, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour, hein. Ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Allez, go. Je me rappelle même plus du boss ici. Toi, je suis à moitié posé, crevé là, hein, quand même. Je me rends compte là. On va manger tout à l'heure, ça va nous faire du bien. Je suis à deux doigts de me faire livrer, hein. Quelque chose. Si j'arrive à trouver quelque chose là. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Allez, on y va. Kebab là? Alors, je pense que j'ai mangé kebab demain midi. Fais-moi un peu, non? C'est possible ça. Je veux pas me faire de feu. Il me fait tout sauf du feu. Let's go!
C'est bon ça. Alors qu'est-ce que je me fais? Oh, pardon. Mail Moogle at your service, Capo. 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 Here you go, Capo. Christine. C'est mon mot. Tu es si loin maintenant. J'espère que tu ne souffres pas trop de solitude. Je la ressens aussi, tu sais. Reviens vite. Oh, attendez. Pas me rayer, voilà. Tu me manques. Tiens, encore un peu de fer, c'est cadeau. Relire la lettre? Non. Alors qu'est-ce qu'on se mange là? Qu'est-ce qu'on se fait livrer là? Y a quoi comme offre là, spéciale? Ah ouais. Liana lance un raid avec un groupe de 3. Le cheval, c'est génial, mais c'est pas possible. Bonjour à tous les deux, salut Eliana. Et salut Zerodaime. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mon ami, mais n'hésite pas à me dire sinon dans le chat comment est-ce que tu veux que je prononce ton pseudo. Oh, toi aussi, tu vas te faire livrer du miam miam? Ouais, j'ai la flemme de cuisiner en fait, et j'ai faim, et je dors, donc j'ai l'impression que. Parce que j'ai un temps de merde chez moi. Et... Putain, mais regardez, on l'a jamais! On l'a obtenu! Mais on n'a jamais le droit de le prendre, je le veux! Force 1, résistance 2. Oh, on a un force 3. No reason. Et du coup, ouais, je suis un peu mou du. Du cul. Je crois que je vais me faire livrer un truc. Je crois qu'on va rester sur un bon gros McDo des familles. Parce que j'ai. J'ai pas envie d'autre chose. Allez, je vous laisse la cinématique en attendant. Que je commande, d'accord? Profitez de la musique qui est ouf, hein, par contre. Je sais pas quoi commander, j'ai déjà pris sushi hier soir. J'ai mangé McDo mercredi soir. Non mais c'est quoi cette... Oh la mauvaise bouffe. T'as le droit de commander ce que tu veux. Ça va partir avec un petit bit tasty la bacon, ouais. Ah, cette musique, quoi. Petit tasty. Ouais, la mauvaise bouffe, c'est trop grave. J'essaie de faire 51 kilos, mais j'y arrive pas. L'ice tea, t'es un bon, mais bien sûr, ice tea, bien sûr. Obligatoire. La meilleure boisson sucrée du monde. Bon, après, ça va pas avec le whisky, mais bon. Si jamais. Comme c'est joli. C'est la fête! J'ai fait des multi en stream sur FFCC cet après-midi. Trop la galère de comprendre ce que veut faire l'autre. Ah ouais. Allez! Ouais. Ah, oh, yeah, oh, c'est ça, ouais, encore, allez, yeah. Profite, Mastine, c'est la première fois qu'on la voit en entier aussi, celle-ci. Oh, j'ai fini la première année, j'ai eu ça aussi. Tu as ça à chaque fin d'année. Le jeu te repasse toutes les
tous les souvenirs que tu as eus durant cette année. Et tu as une petite danse. Trop mimi. Ouais, 280 ou CBO là? J'hésite. J'hésite. Bon, ça va partir sur un 280 quand même, je crois. Allez, go. 27,75€. À plaisir. Laissez devant la porte. Oh, putain, ils sont chers les frais. Culé. Hein. Pour boire, non. Oh, ça bug. Let's go, c'est parti. Des gros bisous Nassine, à tout à l'heure. Bon appétit. Tu nous diras ce que tu as mangé après. Des bisous, des bisous. 5,30€ la livraison je crois. Bon, en fait plus t'es loin plus c'est cher. Mais moi ça va, le McDo est pas si loin que ça. Mais quand même là il se fait plaise. Il se fait plaise. Tant pis, j'ai trop la flemme de cuisiner. Et welcome à tous ceux qui arrivent sur le stream. Bienvenue, installez-vous. Mettez-vous bien, on va commencer une nouvelle année sur Final Fantasy Crystal Chronicle. Alors c'est chiant parce que... Alors, attendez, on va passer parce que c'est bon cette fois-ci, on a compris. C'est la fête. On va passer une nouvelle année. Alors vous allez voir, c'est un peu relou au début. Mais je conseille à tous ceux qui souhaitent faire le jeu en solo de faire ce que je vais faire. C'est-à-dire... J'ai créé 3 personnages sur le jeu. Parce que il me fallait absolument 3 métiers différents afin d'obtenir les meilleures armes ou équipements, il me semble, du jeu. Pour ce faire, il vous faut un alchimiste, un marchand et un forgeron. Du coup, à chaque début d'année, il faut aller voir la famille de chaque métier avec le fils ou la fille qui part en voyage. À Paris, c'est 5,30€, peu importe la distance. Soit t'habites à Paris, Eliana ? Ah oui, c'est vénère. Aujourd'hui, c'est conclu notre 6e année. Nous en savons plus sur l'enfant qui a tué le chevalier noir. Apparemment, son père était parti avant même qu'il ne soit né. Peut-être cet enfant voulait-il simplement une sorte de souvenir de son père. En vengeant sa mort, il a créé un lien avec un homme qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. Alors, c'est intéressant qu'on ait ça parce que lorsque cette cinématique est arrivée, pour moi, l'enfant qu'on a vu est, a tué son père, en fait. Donc, on verra si c'est ça ou pas, si c'est un lien ou non. Ah bon ? J'ai bien fait de pas commencer la route, mais pourquoi on doit leur parler? Alors en fait, chaque année, ils vont te filer des trucs. Et vous allez le voir, là, on va commencer la nouvelle année avec le fils d'alchimiste. Et vous allez voir la, le truc relou. Et malheureusement, je n'ai commencé à le faire que année 6. Donc je suis un peu à la bourre. Mais tant pis. Vous allez voir, c'est juif un peu dans la façon de faire, mais c'est hyper intéressant quand même. Garder un lien avec sa famille et donc toujours leur répondre dans le sens du poil, c'est hyper important. MDR le radin. Allez, on y va. Chaque année, au début d'année, allez forcément voir votre famille. Et vous allez voir pourquoi, par exemple, pour le fils d'alchimiste, enfin la fille d'alchimiste que je suis, Pink, ça va être hyper, hyper important. Qui c'est qui me livre? C'est Elzadin. Eh bien, à tout à l'heure, mon ami. Donc, eux ne vous disent rien d'hyper intéressant, normalement, je crois. Il est l'heure de méditer. Mon ermite. Et du coup, maman, qu'est-ce que tu vas me dire? Quelle joie de te revoir. Prends bien soin de toi sur la route, tu m'entends? Toujours leur parler 2 fois. L'arbre a donné 4 grappes de raisin. Ça m'intéresse. À chaque fois que vous répondez à une lettre que vous donnent vos parents, que vous envoient vos parents, c'est-à-dire à chaque fin de boss, c'est-à-dire 3 fois par an, envoyez-leur quelque chose, vous verrez les fruits quelques années plus tard. Je voulais faire cuire du pain, mais pourquoi en faire quoi déjà? Ah, oh, notre sœur, elle commence à perdre ses souvenirs. J'ai cuit du pain, tu en veux? Volontiers. Allez, donne-nous à bouffer. Hop. Mais je lui donne des sous à ma famille. Des sous? Je sais pas si ça sert à quelque chose. Nous avons récolté 4 carottes. Allez, donne-moi ça. Et donc là, le plus intéressant arrive. Excusez-moi. Voilà, merci. Alors, parlez à votre père. Généralement, il vous donne de l'argent. Tu t'en vas, Pinko, ce n'est pas énorme, mais prends ça avec toi. Donc là, il nous donne toujours un peu d'argent. Un peu, 260, c'est pas mal. Et alors là, deuxième fois.
J'ai fabriqué le schéma d'une armure de Mitri. Ça m'intéresse. Et là, bam, schéma gratuit. Et en fait, chaque année, vous allez avoir ça. Chaque année, votre père, si vous lui parlez deux fois, ça en fait des domacs, c'est clair. Chaque année, si vous lui parlez deux fois, il va vous donner un nouveau schéma. Et certains schémas ne s'obtiennent que de cette façon-là. En tout cas, pour les alchimistes. Donc, très important. Et en fait, c'est exactement la même chose, je crois, pour chaque famille. Bon, bah, je vais y aller direct après manger. Donc, là, c'est pareil. On va prendre nos deux autres personnages. Donc, notre fils de marchand et notre fils de forgeron. Et on va faire la même chose. Ça vous prend 5 minutes à peu près. Il est temps pour toi de partir à nouveau. Mais je crois que je m'inquiète trop. Tu n'as plus besoin de moi, alors je vais me taire. Découvre tes propres horizons. L'érudit ? Oh, à quoi bon penser à lui ? Bientôt, la princesse viendra prendre mes souvenirs pour raviver le cristal. Allez, mets-toi en route maintenant. Nos pensées t'accompagneront sur le chemin. C'est des anges, les deux, là. Les deux protecteurs du village. À chaque fois, c'est des anges. Grossier est en route. Très bien. Et donc comment vous faites? Vous faites ouvrir le menu principal et là vous faites en route et vous switchez de perso, tout simplement. Du coup je pense que pour ma partie, quand on jouera ensemble, peut-être Eliana ou ma partie en ligne, je me prendrai l'un des deux. Soit Doafu qui veut dire nain en japonais et qui est un lilti, soit Ato qui veut dire cœur, je crois. Oui c'est ça, cœur en japonais. Et du coup, qui est un Yuke. Et du coup, spécialisé mage et là, spécialisé corps à corps. Donc ce serait l'un des deux, je pense. Et pour l'instant, je suis bien tenté par le de Wafu. Enfin, les deux me tentent bien. Faudra voir avec qui on joue et est-ce que les autres prennent comme classe. Mais en tout cas, j'aurai l'une des deux, c'est sûr. Les Selkies, là, les individualistes, ils m'intéressent pas. Je suis pas individualiste. J'en veux pas. Du coup, on a Lilti qui est forgeron. Le jeu conseille d'avoir cette classe-là. On vous le dit dès le début. Est-ce que c'est là? Nope. Là, c'est les UK. Et vous voyez, en fait, ça remplit votre village d'avoir des nouveaux personnages. Sinon, bah vous n'en avez pas. Pareil, la famille de l'autre, ça ne sert à rien. Et nous, on est là. Voilà notre famille. Kael, j'ai cuit du pain. Non, j'en veux pas. Doafu, surtout méfie-toi des monstres. Très bien. Oh merde, je lui ai dit oui. Putain, mais quel con. Bon, tant pis, on va prendre le pain. Mais vu qu'on l'utilise pas, bon. Tu t'en vas, Doafu? Ce n'est pas énorme, mais prends ça avec toi. Donc, petite pièce de sous. Petit sous. Quelle joie de te revoir, prends bien soin de toi. Notre maman nous dit tout le temps la même chose, à peu près. Et là, oh Doafu, tu veux que je te fasse une armure? Et là du coup, bah nous on a rien du tout, il peut rien nous forger. Pourquoi? Attends, j'espère que ça marche parce que sinon c'est chiant. Ma maman s'appelle vraiment Christine. Ah merde. je peux pas voir les lettres ici. Allez, on s'en va. Du coup, en fait, pour le forgeron, il va falloir le faire level up max. Je sais pas si, simplement en lui parlant, il level up max, et du coup, il nous offre des possibilités de forger d'autres choses, ou si faut forger des choses avec lui. Ça, j'en sais rien. Si vous avez la solution, n'hésitez pas. Du coup, à chaque fois, je suis en mode, oh non, c'est pas la même. Non. C'est pas toi. Je sais que c'est pas toi. Qu'est-ce que vous en pensez des musiques de jeu, vu que vous découvrez le jeu? Moi, je les connais à peu près toutes. Et c'est un vrai kiff de les redécouvrir. Mais ça fait tellement plaisir. Ato. Et donc, Ato est marchand. A une famille de marchands. Trop bien, je les ai en tête tout le temps. Ah ouais, elles sont ouf. Elles sont trop trop bien.
Et là, c'est bien parce que notre famille de marchands, elle est juste à côté de l'entrée en plus. Quelle joie de te revoir, prends bien soin de toi. Pas de soucis, maman. À tôt, surtout, méfie-toi des monstres. Notre sœur, je voulais faire cuire du pain, mais pour en faire quoi déjà? Bah, me le donner, mais j'en veux pas du coup. Papa, t'es où là? Non? Papa. Tu t'en vas, Atto? Ce n'est pas énorme, mais prends ça avec toi, donc encore des sous. Et. Mais c'est Atto, viens acheter un ou deux objets pour ton voyage. Et donc là, achat, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'il propose de base. J'espère par la suite qu'il proposera autre chose. Parce que c'est déjà ce qu'on a eu la première année. Mais on verra bien. On verra si c'est exactement ça qu'il faut faire ou pas. En vrai, j'en sais rien. Je vous dis ça parce qu'il me semble que j'ai vu que c'était important. Mais bon, ça prend que 5 minutes. Si réellement ça carie la fin du jeu, moi je suis pour. Je suis pour. Voilà, j'ai commandé à Miam. Alors, qu'est-ce que t'as commandé à Miam? Est-ce que t'as pris des tacos? J'ai hésité entre McDo et tacos. Moi aussi, Zero Daime. Du coup, c'est quoi? C'est Zero Daime? Zero Dem? Zero Daime? Comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle, mon ami? Qu'est-ce que vous avez commandé? L'objectif, j'aimerais bien aller à l'ouest des plaines de Foum. Je l'ai appelé Zéro. Quoi? Tu l'as appelé Zéro? Qui c'est que t'as appelé Zéro? Comme tu veux, Zéro au pire. Ah, tu l'as... Zéro Daimé, tu l'as appelé Zéro, mais putain. Zéro au pire. Non mais toi, comment tu le prononces? J'aimerais bien aller plaine de Foum. Du coup, jouable ou pas jouable? Là, on a quoi? Il faut qu'on ait vent. Il y a moyen qu'on ait vent. Là, on doit juste bouger. Et là... Ah putain, on peut pas y aller parce qu'on n'a pas terre. C'est pas la bonne année. C'est pas la bonne année. J'ai pris un burger raclette, galette de pommes de terre et bacon avec des frites et iced tea. Un genre de domac plus sain, quoi. Bien sûr. Plus sain. Plus gras, oui. Là, il nous faut du feu. Ok, donc là, on peut faire tout ça. On a fait 3-3, on a fait 3 aussi. Faudrait qu'on fasse le manoir et le village de Tidal. Le souci, c'est qu'on les a fait quand ça? On les a fait il y a 2 ans, non? Je crois que ça passe, en vrai. C'est plus simple parce qu'il y a le fromage à raclette. Oui, bien sûr, oui. ouais, c'est ça. Là, on a fait la cour des démons, la caverne Éol. Et je sais plus lequel. Du coup, on va aller au manoir de Moshe, au village de Tida. Mais non, on vient de les faire. Village de Tida, je viens de les faire. Fuck. Du coup, faut que je fasse quoi? La cour des démons et la caverne Éol? Il faut que j'en fasse un de ceux-là, non? Alors, clairement, on va pas faire la rivière Belle. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Thibaut. Je regarde Juju maintenant. Tu parles de Juju Fit 4, c'est de Thibaut InShape, là? Mon dieu, tu regardes ces gens. Attendez, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Moi, on a fait Manoir Moshe, village de Tida, et je pense qu'on a fait l'écluse. Je crois qu'on a fait les trois en haut. Les mines, on l'a fait 3 fois. Les Virbelles, on l'a fait 3 fois. Mur des Gobelins, je crois qu'on l'a fait que 2 fois. Mais j'en suis pas sûr. Oui, on parle d'eux. Je les regarde car ça fait un bruit de fond pour Dodo. Oh non mais mon dieu. Bon sauf quand il crie Dame les gens, c'est Thibaut InShape. Ok, je pense qu'on va faire cours des démons cavernéole. Et ça me fait chier parce que j'aurais bien aimé Et on fait quoi, le mur des gobelins? Ouais, on va faire ça. On va faire mur des gobelins, cours des démons cavernéole. Allez. Il me faut du vent. Donc il faut que j'aille là. Ah! Bah je regarde pour essayer d'en faire, mais la flemme. Ah ouais, non, je regarde tellement pas ça. Well, what's this then?
Tiens, qu'avons-nous là? Une caravane? Non, sinon vous ne seriez pas seul. Oh là là, on dirait qu'il y a méprise. Malheureusement, je dois vous laisser. À une autre fois. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'allez pas vous échapper si facilement. Oh, excusez-moi. Comme vous le voyez, je suis dans de beaux draps. Vous voulez bien me donner un coup de main? Qui est-ce? Quelqu'un que vous connaissez? Alors, je peux demander une rançon. Mais je suis presque pris en otage. Presque? Non, vous êtes pris en otage. Envoyez la monnaie, ou on le jette dans le miasme. Oh là là, mais comment est-ce que je fais pour me retrouver dans une telle situation? Non mais lui, c'est vraiment une catastrophe à chaque fois. Personnellement, je ne donnerai pas un gil pour cet escroc, mais c'est à vous de voir. Proposez une pomme rayée. Regardez, c'est une pomme rayée. Ça fait au moins 2 mois, peut-être même 3 coupons. Bon, ça ira, reprenez-le. Oh putain. Oh, dites donc, c'est tout ce que je vaux à vos yeux? Hein? Ça veut dire que la pomme qui a donné son nom à notre bande ne te suffit pas? Tu nous déshonores, coupons. C'est notre préféré, tu le sais. Oh, et puis, si tu veux mourir ici, c'est ton choix. Bon, ça va. D'accord, marché conclu. Bon, ça va, on perd une pomme rayée. Je ne sais pas trop comment vous remercier. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas. Oh, vous n'avez pas l'air d'avoir le moral. Alors, faites derrière vous d'un autre poème. Sur le seigneur des épines gronde le tonnerre, le vieil abri accablé s'effondre sous elle. Le feu ardent dévore le champignon, la mer, trois frères de pierre un par un pris par le gel. Alors la fleur qui dans le grand rocher s'enracine viendra au monde sans une lumière divine. Ah! Courcier m'appelle, j'arrive tout de suite. À toute. Oh, let's go. J'adore les coursiers qui disent qu'ils sont en vélo alors qu'ils sont en voiture. Quel plaisir. Alors, attendez, parce que là, vous avez beaucoup parlé, là. Tac, 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 tac. Zéro day, comme le day. Ah, c'est zéro day. Ok. Du sport qui fait du sport ici. Quel est ce mot? Le sport, je connais pas. Mal poli. Je vais chercher mon miam à toutes. Vous êtes d'un synchro, les deux. Oui, mais lui, il se fait livrer, moi, je vais les chercher. Tu vas commander au resto et tu vas direct. Ils sont toujours en vélo et finalement ils sont en scooter. Ouais, c'est clair. Un plaisir. Vous n'applaudissez pas, je suis déçu, d'autant plus que c'était le dernier. Ne me dites pas que vous en avez assez, ces poèmes sont tous sauf ordinaires, vous savez. On raconte que ces vers conduisent au trésor légendaire qui est enfoui dans le désert. Oh mais, vous avez oublié. Vous ne me croyez pas, vous pensez que je vous dis que des mensonges. Mais si vous ne croyez en rien, comment voulez-vous trouver quoi que ce soit? Vous n'imaginez pas tout ce que peuvent dévoiler mes souvenirs oubliés. Le plan, c'était d'obtenir une rançon importante et vous accepter une pomme rayée? Ça nous va très bien. Nous sommes heureux comme des princes.
Et je suppose que vous ne pouvez pas me donner ma part en Jill, je veux dire. Oui, ici on dit Jill parce que c'est marrant. Non. Je devrais peut-être rechercher un travail honnête pour changer, comme mon frère. Trophée obtenu, poème du désert. Très bien, très bien. Clac, clac, clac. J'ai regardé sur internet hier, il y a 99 années. Ah ouais, putain la vache. Bon, c'est bien, on va faire notre petite pause, on va pouvoir manger ensemble. Tac. C'est parfait, au moins on n'est pas en plein donjon. C'est pas la mode. Pipapou. Allez, hein, messieurs, dames, bon appétit à vous. Le apéro confinement transformé en repas confinement. Mais oui, exactement. Encore? Mais je mange là. Et là, tu fais rebondir le truc sur sa tête. Putain, mais. Ah, c'est tout! Ah oui, d'accord. J'ai plus envie d'aller au resto, moi, juste parce que les contraintes sont chiantes. Ouais, mais. C'est ouf. Hein. On est au point de se faire livrer les McDo, oui. La facilité. La facilité toujours. Voilà. Bon alors le bruit doit pas être agréable pour vous. Ça va pas durer longtemps. I promise. The threat of monsters weighs upon the mind of every traveler. Brave Liltees purged the roads of danger long ago. But monsters still lurk about, biding their time in the nooks and crannies of the world. Goblin Wall is one such place. As they say, du coup, dans le jeu, j'ai fini la mine des Liltees. La mine des Liltees. Sur le deuxième, la deuxième région. Ouais, la mine, je vois. Oui, parce que la première année, tu fais Rivabella. Voilà, Rivabelle. Rivabelle. Après, tu changes de région. Et tu fais les deux, tu fais la mine et les champignons. Oui, c'est avec les gobelins et des marteaux chelous, ouais, c'est ça. Tu vas voir, deuxième année, tu vas débloquer ce donjon-là. Le champignon était insupportable, j'ai pété un plomb. Ça va, c'est pas le donjon le plus chiant à faire, je trouve. Mais c'est clairement pas ce que je préfère. Bien aimé la mine, moi. La mine est sympa. Oui, il y en a un que tu vas faire un peu plus tard. Bah, qu'on a fait hier, que t'as vu là où. Celui qui est dans le château où tu dois tuer un peu les cuisiniers. Celui-ci, j'aime bien. Je le trouve stylé. Et ça change un peu des donjons habituels. Et j'aime bien celui aussi dans le camp des lézards, mais tu l'as pas vu celui-là encore.
Ouais, avec le gros et la fille, ouais, c'est ça. Après, pour le moment, le pire boss que j'ai vu, c'est quand même le crabe. Le crabe niveau 3, quoi. Une horreur. Vraiment. En fait, les deux premières phases où tu lui pètes sa pince et après son genre de casque qui le protège là, avec laquelle il t'écrase par terre. Une fois que t'as pété ça, faut le faire en multi alors. Et oui. Une fois que t'as cassé ça, en fait, il a plus aucune attaque au corps à corps. Du coup, il va faire que des attaques à distance. Et en termes d'attaque à distance, soit il fait d'électricité, soit il fait le truc qui te ralentit. Sauf qu'en fait, quand il fait l'électricité, si jamais t'as l'occasion de te prendre un truc d'électricité, et bah s'il a envie, il t'enchaîne. Et vu que toi t'es paralysé, et bah tu bouges plus. Et il peut t'enchaîner jusqu'à temps de te retirer toute ta vie. Un plaisir. Après, il y a aussi le fait que je l'ai fait un peu trop tôt dans l'histoire. Mais bon, quand même. J'ai enfin eu 6 cœurs, moi. Ouais, avoir 6 cœurs, c'est bien. Moi, j'aimerais bien avoir un autre. J'ai eu un champ de commande, mais j'aimerais bien en avoir un autre. Mais j'arrive jamais à avoir un autre. Mais toi, t'es au tout début du jeu. Tu farmes tellement, tu vas tellement te mettre bien. Moi, je pense que si jamais il y a des choses où j'arrive pas, je commencerai à farmer. Mais genre, tant que je m'en sors. Royaume champignon, je suis mort quand même. Ah, ça y est, le soin. Et la mine, il ne m'a pas touché. Ouais. J'avais le soin, mais il me faisait des épines à répétition. J'ai pas eu le temps de me soigner. Ah, ouais, c'est horrible. Tout le temps bouger, ouais. Tout le temps bouger. Heureusement qu'on commence pas le donjon du début quand on meurt. Quand tu meurs dans le donjon, si, quand tu meurs au boss, non. Allez go, finis les petites frites. Il me restera ça pour un peu plus tard. Tac, là on va mettre ça là. On mangera un petit peu après le donjon. Pendant les phases de transition, qu'est-ce que je peux manger? Je peux me manger ça pendant que ça transite. Tu manges toutes les frites? Ouais. Mais généralement, les gens comme toi qui ne les mangent pas toutes, c'est parce que vous les mangez à la fin. On a déjà récupéré le soin. On va être tranquille. Ah, ils sont relous, là. C'est vrai, j'avais oublié ça.
j'ai pas le temps. Laisse-moi. Chauves-souris sont vraiment relous dans le jeu. Oula. Bonjour. Toi, on va se voir plus tard, toi. Bon, il va pas qu'on se voit plus tard. Si, c'est bon. Ok, ça y est, c'est bon. Ouf. Eh bien. Oui, je les mange à la fin. Et bah voilà. Des sortes de chauves-souris jaunes volantes aussi. Ah ouais. Mais en fait, le meilleur sort, c'est. La meilleure chose à faire, c'est de leur mettre gravité dans la tête direct. Quand tu l'as. Parce que bon, des fois, on l'a pas non plus. Hop, ok, on a envie. Ok, de ce côté-là, on est tranquille. On pourra aller chercher nos coffres plus tard. Pena. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Mais toi déjà t'as un sac à PV. Ah, très bien. Allez, je te dis, les donjons ils se complexifient petit à petit. Oh putain, j'étais dedans. Gros, t'es relou là. On meurt, non? Il meurt jamais? Faut mourir, monsieur. Oh, c'est le boss de fin, ouais, c'est ça. Crotte Cerbère. Génial. Un plaisir. Ils viennent le porter avec la lance. Ça, si vous voulez un mob timbre, il y en a un là derrière, au fond. Voilà. Je vous le dis, c'est cadeau.
Ne me remerciez pas. C'est quoi là? Allô? Bon, ça va. Oh, ça va plus! Bon, lui. Lui, il est facile. Putain, les blobs. Le blob, il est tranquille. D'ailleurs, le blob aime pas le feu. Si jamais. Putain, j'ai rien. La glacée, ça va rien lui faire. Hein. T'as été trop vite! C'est bien que Blizzard. Génial. J'ai pas eu le temps de me lancer, mais mon mog là! T'es trop long! Trop long, Koopa! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris la grotte quelque chose d'autre. Pas du tout. Ok, let's go. On va péter. Putain de péter. Ça va être long, hein. C'est la chauve-souris que je veux. Mais sûrement car je vais faire le même donjon en boucle. Ouais. Oui, non, te voir jouer me redonne envie de jouer. Une fois que je joue, j'ai l'impression que c'est répétitif. Ouais, c'est vraiment répétitif parce que tu fais tout le temps la même chose. C'est sûr. C'est une horreur de faire tout le temps les mêmes donjons. C'est une horreur. Glacier, c'est bien, on a un double glacier qui va être intéressant là. Livreur is coming. Lui on l'a eu. Oh, l'âme de Sasuke! Incroyable.
Il est rare cet artefact ? Aucune idée. Je connais pas les artefacts. Je les connais pas les artefacts. Mais c'est le fait d'avoir Sasuke qui m'a fait réagir. Pipoulou pou pap pip pam pipilou bam 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 bou pip pipoulou pou pap pipou pap pou. Ok, maintenant on va pouvoir descendre. Et on reviendra là tout à l'heure. Poète, poète. Vous voyez, c'est ici, là. Là. Et vous avez un petit examiné qui s'affiche. Et hop, c'est là qu'il faut faire examiner. Et vous avez une entrée de Mog. Pendentif de la Terre. Ça, ça me donne un cœur, en plus, je crois. On s'en fout un peu, du coup. Bouclier de feu, par contre, c'est bien. Très bien, très bien, let's go. Oh. C'est pas par là, je me suis trompé. Ouais, c'est ça, j'essaie de faire, ouais. Ouais. J'ai pas réussi à lancer, putain. Ouais, ça dégage. Ça dégage. À tout. Merde. Je l'ai pas. Je sais plus dans quel sens c'est. C'est foudre. Meurs un jour. Ok, let's go. Heureusement qu'on a sidéral. Hein.
Ils m'ont défoncé. Oh, la glace qui m'a fait trop mal. Attends, je pensais vraiment pouvoir le tuer, celui de gauche. Je me suis fourvoyé. Ils sont vénères, là. Hein. Ils sont vénères. Pam, pam, pam. On va essayer d'en prendre qu'un déjà. Putain, j'avais pas vu qu'il avait fait ça. Vous êtes vénère là, vous, hein. Attends, j'ai pas touché. Ça me dégoûte. Ok, let's go. Ah, ils sont énervés, ils sont énervés. J'ai dû descendre aussi. Ouais, maintenant, ils livrent que en bas. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Non! Ok, jamais faire de sort. Voilà. Loin du boss. Pas à côté, ouais. Pas encore à côté. Mais je dirais pas loin, quoi. Faut que je monte tout et on y sera. Après, vu le nombre d'ennemis. Et c'est loupé, trop marrant. Non, je pense qu'on est à la moitié du donjon, quoi. Les donjons sont longs, en fait. Ouais, les donjons sont longs de ouf. On l'avait eu, celui-ci. Oui. Oui, messieurs. On l'a eu. Ah non, merveilleux. Vous avez putain enfin. Oh non, je l'ai pas touché. Oh. Hein?
Non. Putain, je suis dans la merde. Putain, heureusement qu'il nous a refait un petit glacier là parce qu'on n'était pas bien sinon. Hein. Rare. Je galère à l'avoir. Ah ouais? D'accord. Il offre quoi pour qu'il soit si rare que ça? Ok. Résistance plus 3. Ah ouais. Après, résistance c'est chiant parce que c'est pas forcément ce que je cherche. Oh putain, mais il y a toute la troupe là. Mais ça me fait chier par contre, elle veut pas se partir non? Ok. À nous deux. Oh, j'ai mis trois fois le timing parfait. Ok, on est bien. Pouette, pouette, pouette. Ah, c'est le moment chelou là, pardon. Enfin, pas chelou, relou plutôt. Je les ai détruits. Destruction. Aïe. Allez, ça dégage. Oh, c'est incroyable. Un fight bien géré de la part du joueur français là-dessus. Mais pourquoi tu me suis au corps à corps, toi, dis donc? J'ai pas eu le temps, MDR. J'ai pas eu le temps. Les relous.
Mais quoi? Comment tu peux me toucher d'aussi loin? Ok. Salut toi. Ok, let's go. Faut aller là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi jouer. Y aller. Allez, go. Hop. Casque de tonnerre. Une armure pure. Ouh. Nouveau ça. Brassard de tonnerre. Arme vaillante. Nouveau aussi, je crois. Quoique, dans peut-être pas l'arme vaillante. Allez, on est bien, go le boss. Oui, oui, bah tu vas faire ce qu'il faut. Hein. Pas possible, je peux pas manger là-haut, coupons. Allez, fais ton taf là. Blizzard!
J'arrive. Alors jamais, n'allez jamais à droite, hein, si vous pouvez ici. Ça évite le spawn de l'autre ennemi. Ah, bah j'ai pas pu. Elle n'a pas voulu se déplacer. Oh, un plaisir. Il m'a bien poussé dedans. Allô? Oui. Putain. La portée! Tant qu'elle fait du corps à corps, vous, ça vous arrange. Si vous avez une bonne résistance, vous prendrez rien. Let's go! Merci! Mail Moogle at your service, Capo! Macbast, Capo! Here you go, Capo. Christine, il y a ta mère. Ah, Sheila, je te conseille vraiment le raisin coloré. Il a aussi ce liquide mystérieux, mais jamais je n'en avalerai une seule goutte. Rien que son odeur me rend mal. De toute façon, c'est pas pour nous. Je trouve que ça sent bon. On va peut-être pas répondre ça, non? Oh, je sais pas ce qu'il faut répondre là pour être gentil. I don't know. Allez, tiens, mange du fer, toi. Vous voyez là, en termes de dynamique de famille, je suis à fond avec mon père, je suis à fond avec ma mère, je suis à fond avec mon frère, il me reste que ma soeur. Donc, et ma soeur, je suis à 75%, donc c'est bien. Keep me waiting, Capo. I've got your reply, Capo. So long, Capo. Il me tue quand il dit j'en ai assez d'attendre. Non, mais ça va, oui. Ça, je sais pas à quoi ça sert en solo, je pense que ça sert à rien, je pense que ça sert en multi surtout, les points bonus. Après, à quoi ça sert en multi? Aucune idée. Alors, on a force plus 1, magie plus 3, forcément on l'a pas, putain. Du coup, on a l'anneau merveilleux, ouais. Comme tu disais, résistance plus 3. Tu vois, vous voyez la lame Sasuke, on l'a trouvée et on l'a pas, je sais pas pourquoi. Il est payé? Oui, il y a... Où est esclavagiste? Où est... Oh! J'ai rien compris. Il est payé? Ou esclavagiste? Ou esclavagisme? Je m'en suis servi tout à l'heure. Chaque personne a un objectif bonus différent. D'accord. Matériaux pour forger. Cross mode. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de le prendre. Oh! Alors soit on a magie plus 7, soit on a la, ça, on a la cross. Cross mode, mais c'est quoi cross mode?
C'est important ça ou pas? Crossmodite sûrement. Attends, mais la crossmodite, elle sert à faire une grosse arme de ouf, non? Je crois. Celui avec le plus de points à la fin peut choisir l'artefact en premier. Ah, ok. D'accord. Magie plus 7, c'est hyper intéressant quand même. Mais je me dis qu'on peut l'avoir si on farm au pire. Crossmodite, je sais pas, c'est la première fois que je le vois. On va prendre Crossmodite en vrai. Magie plus 7, je m'en fiche. Je fais 3 fois un donjon et au pire, j'aurai magie plus 3 et puis voilà, basta. Alors que, ouais, je sais pas. Après, plus 7, c'est vénère, mais. Moi, je suis plus un joueur de corps à corps que de magie déjà. Avec ce personnage-là, en tout cas, bien sûr. Donc, bon. Encore? Putain, la vache. On fait que d'en croiser. Vous pourriez faire attention quand vous arrivez à une intersection. Dites donc, vous alliez si vite que j'en ai eu le vertige. C'est la caravane qui arrive par la droite qui a la priorité, oui ou non? Ce sont vos règles, pas les nôtres. J'aime oublier qu'on ne vous apprenait pas les bonnes manières à la campagne. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ouais, il est beau le fameux savoir-vivre des litiges. C'est bon, dépasser sa pensée, excusez-le. Néanmoins, selon la règle, le droit... Oh, et puis laissez tomber. Vous êtes pressé, non? Alors partez. Ah oh, oui, il dirait que nous sommes en latte. Et tâchez de respecter le code de la route, dorénavant. The rules. Les règles. Le code. Renoisti. Oh, bonjour. Vous avez vu ce qui s'est passé? Nous ne supportons pas que ces... Qu'est-ce qu'il m'appelle? Que ces manants de la ville essaient de nous marcher sur les pieds. Avec tout ça, le monstre que nous poursuivions s'est échappé. Nous l'aurions eu si ces chauffards avaient fait plus attention. Lucette! C'est Lucette qui dit ça, putain. Toujours faire attention, Lucette. Allez, on continue. Viens manger, Noistine. Qu'est-ce que tu t'es pris alors? Enfin, qu'est-ce que tu t'es pris? Qu'est-ce que tu t'es fait à manger? Je me suis fait des pâtes carbo au final. Oh, putain, c'est trop bon les pâtes carbo. Ce passage. Moi j'aime bien ces passages-là. J'aime bien la musique surtout. Je sais pas trop à quoi ils servent. À part faire des temps de chargement ou autre, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Du coup là, faut qu'on aille de l'autre côté. Faut feu. Ah ouais, moi je mets de la crème fraîche dans les carbos. Je fais des fausses carbos, moi. Crème fraîche et petit jaune d'œuf. Attends, on rencontre des gens à la sanée, là. Je vous salue, vous qui venez de Sakai. Serait-ce un fragment de Mitri que vous avez là? Oui. Well,
Puis-je l'examiner ? Oui, c'est bien ça. Ça peut être une variation, non ? Un météore, alors ? Possible, mais pourtant... Il faut procéder à un examen plus approfondi. J'aimerais vous échanger cet objet contre une goutte de gel rafraîchissant. Merci infiniment. Allez, à plus. Je sais pas à quoi ça sert ça, mais bon. Bouh, j'en mets aussi, sinon pas assez de gras. Oui, moi aussi j'en mets. Ouais. Pas assez de gras, non mais vraiment, Eliana, putain. Et du coup, Eliana, c'est ton vrai prénom, c'est pas un pseudo. Enfin, c'est un pseudo, c'est un prénom pseudo, pseudo-pronom. Tu fais le bon samaritain, une pomme, un fragment de mitril. C'est ça, exactement. Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je veux faire. Et vous, vous me dites rien. Eh ben non, mon prénom, c'est Nathalie. Non, tu mytho. Quel est l'intérêt d'avoir mis un pseudo qui s'appelle Eliana si ton prénom c'est Nathalie? C'est faux. Litana à l'envers, Lina qui s'est transformée en Eliana avec le temps. Oh! Ah oui, alors là, il y a de la recherche. Ouais. Là, il y avait. Là, tu sens qu'il y a eu des soirées de perdu là-dessus. Alors comme ça, vous aimeriez connaître le secret pour faire pousser des légumes. C'est Meroline. Eh bien, tout dépend de la qualité de la terre, non? La terre? Oui, il n'y a rien de pousse sans terre. Mais il faut aussi de l'eau. De l'eau? Oui, bien sûr, tout ce qui pousse a besoin d'eau. N'oublions pas quelque chose? Voyons, de quoi s'agit-il? De l'amour! De l'amour! Ah oui, il faut aussi beaucoup d'amour. Oh putain. MDR, oui, un peu. Sur les jeux, je voulais un bon pseudo. Et tu penses que Eliana, du coup, c'est un bon pseudo? Mais pourquoi Shintaratsu? C'est encore pire. Mais c'est pas pire, Shintaratsu! N'importe quoi. C'est un vrai pseudo, au moins! En plus, tout le monde m'appelle Shinta comme ça. Le rapport avec ton prénom? Aucun rapport avec mon prénom? Aucun. Aucun rapport. Voici, elle doit savoir d'où ça vient Shintaratsu normalement. Oui, l'an dernier, je naviguais très loin. Alors, je vais essayer d'aller encore plus loin cette fois. Vous m'avez rapporté du soufre de Kilanda. Merci infiniment. Dorénavant, je vous ferai une réduction de 20%. Ah, on peut aller à Leda. Allez, go à Leda. Sur l'île de Linari, il y a un grand désert. Si vous me rapportez une fleur de cactus de là-bas, je vous ferai une réduction. Pour Leda, c'est 240 gilles. Allez, go. Je largue les amarres. Tout le monde à bord. Alright. Trop bien, un nouveau monde. Eh ben, tout le monde m'appelle Eliana. Mon copain m'a présenté comme Eliana, ses potes. Mais oui, mais c'est normal. Par contre, je suis désolé, mais entre Nathalie et Eliana... Il y a une sacrée diff. Hein. Oui, bon, j'avoue, mais c'est recherché. Oui, oui, bah oui, t'imagines, ouais. C'est sûr, je te fais confiance.
Attends, quand je repense à la petite pâte carbo là. Peut-être me faire ça cette semaine, moi. Tu m'as donné envie. Alors où est-ce qu'on va? Loda. Donc c'est une ville alors. Je savais que c'était elle, pas de carbo. Ouais, c'est cool. Quelles sont vos pâtes préférées? Tagliatelle. Et je suis pas. C'est quoi les grosses pâtes rondes là? C'est quoi ces. Les grosses pâtes rondes là, on dirait des obus là. Ou c'est creux à l'intérieur? Les gros cylindres creux là. Ça j'aime pas. Trop épais. Là, qu'est-ce qu'il fait à sauter lui là-bas à gauche? Salut toi. On n'aime pas trop les étrangers ici. Je ne resterais pas longtemps si j'étais vous. Eh bah bonjour. Ne le dites à personne, mais je ne suis pas très doué pour le saut. Pas grave. Je vais tellement m'entraîner que je serai la plus grande Selkie de tous les temps. Le monde est peut-être recouvert de miasmes, mais regardez-moi ces enfants. Tout ne va peut-être pas si mal au fond. Ah bah c'est sûr que quand on relativise un peu, hein. Des pâtes au but. Des gnocchis. Non, pas les gnocchis. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, vous voulez acheter quelque chose? Vous auriez dû le dire tout de suite. Oh, Ruby et Jade. On va en prendre un de chaque. Au moins, on en a un. Au revoir. Je surveille l'entrée pour qu'aucun monstre ne pénètre dans le village. Bien sûr, je tiens aussi un petit commerce. Eh ben... Oui, je vais acheter quelque chose. Si c'est intéressant. Ah! Arme vaillante, on a un. Arme puissante. Arme Victor. Arme maîtrise. On a déjà un bouclier maîtrise, je crois. Les Cannelloni. Ah ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bah, les Cannelloni, c'est des pattes. C'est petit, c'est un cylindre, et à l'intérieur, c'est vide, non? Titali et Rigatoni. Non, c'est pas ça les Cannelloni? On sait rien, moi. Oui, on peut y mettre de la viande ou des trucs dedans. Bah, y'a moyen que ce soit ça, ouais. Ouais, c'est ça, on l'a le bouclier de Mithril. Ok. Bah, je pense qu'on a tout ce qu'il veut nous proposer, lui, de base. Là, on sort. Je veux grandir et je ne sais pas pourquoi, mais je veux grandir. D'accord. Pourquoi les garçons sont-ils toujours pressés de grandir? Ils sont si puérils. Toi, t'es bien une gonzesse, toi, putain. Je te le dis, moi. Je ne suis plus toute jeune, mais j'ai moi aussi participé à plusieurs caravanes. Nos voyages étaient jonchés d'obstacles, et pourtant nous passions des moments fabuleux. On dit que nous, les Selkies, venons de la mer et qu'un jour nous y retournerons. Peut-être que les gens disent ça parce qu'ils aimeraient voir notre tribu disparaître. Bon, c'est gay, ça. C'est gay. Dis-moi, Noastin. Ah bah voilà, je crois que j'ai trouvé. Vous remarquez une porte discrète. Entrée d'un pas joyeux. Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'elles ont, les gonzesses? Oh, ce machisme. Mais non, mais c'est vrai. Oh, vous êtes si puérils, les garçons, à vouloir grandir. Ah, gna 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 gna.
Vraiment, quoi. Comme si nous, on disait ça. Let's go. Comme si on nous, vous disait, ah, la gueule des filles, elles sont si puériles à vouloir grandir trop vite. Vous dites qu'on est faible. Faux! Les débiles, dites que vous êtes faibles. C'est quelle map? Comme ça, je le supprime de ma liste. C'est Leda, je crois. La ville des Selkies. Je vais avoir le nom, là. Tu tiens une liste, Mastine? Elle tient une liste des moctabres. De là où est-ce que je les ai déjà récupérés. Une vraie modo, quoi. Une perle. Ouais, c'était bien Leda. Oh, eh oui. Incroyable, n'est-ce pas? T'en as pas des comme ça, toi, hein, chez toi. Il y a longtemps, nous, les Utis, étions les maîtres de cette terre. Nous avons construit cette route uniquement pour les guerres qui faisaient rage à l'époque. Mais au moment où elle fut prête, toutes les batailles étaient déjà terminées. Aujourd'hui, nous arpentons cette route en caravanier et j'en suis fier. Je préfère utiliser cette route pour protéger mon peuple plutôt que pour en attaquer un autre. Qu'en pensez-vous? Je vous comprends. Oui, et ainsi, marcher sur cette route, c'est comme tracer un chemin vers l'avenir. Je vais t'engager comme modo, tu vas venir compter mes coffres sur Trails of Mana. Non, mon dieu. Je sais qu'il y en a que tu as eu au début, du coup, je les ai toujours denotés sans savoir. J'aurais pas le temps, je suis tout le temps ici. Exact. Me la vole pas. J'ai un mec tout à l'heure sur Trails of... Il est venu, il a fait 4 fois le 100%, il est en mode... Là, sur cette map, il y a 14 coffres et 2 cactus. Tu live déjà, je live depuis tout à l'heure, mon pote. Bon, désert de Linari. Je vais sûrement être là pour 20h30, voire 21h en fait, mec. Et bah tant mieux, avec plaisir, on sera encore plus longtemps sur Fall Guys, ça me va. Nous avons rencontré un homme qui rêvait de trouver un fabuleux trésor caché dans le désert. Ah mais oui, c'est de ce désert-là qu'il parlait les autres, là. Ah, faut qu'on fouille. Tout le monde se moquait de lui, affirmant que ces terres sèches n'abritaient rien de tel. Mais en pénétrant dans cet endroit, je compris que son rêve finirait sûrement par se réaliser. Le désert étincelait comme une mer de joyaux sous un soleil éclatant. Le poème, c'est de ce désert-là, je pense, qui fait référence. Timbre du désert, suivez le mur de gauche jusqu'à ce que vous puissiez passer encore plus à gauche. Descendez assez longtemps. D'accord. Araignée du soir, bonsoir. Ça va, j'ai un peu mal à la tête. Araignée du soir, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, pas d'araignée. Ah bah oui, lui, il va avoir chaud. Du coup, mur de gauche. Hein. Comment ça, araignée? Ah bah ouais, on a tous les deux pas compris. Ok, 4 coups. Ah ouais. Vous dites toutes les deux la même chose presque. Accroche-toi, Kupo. Oh, il y a un truc à faire, là. On est d'accord que là, il y a un truc à faire, là.
pas la foudre dans le poème, il disait pas la foudre ou un truc comme ça. Non, ça fait rien. Arme vaillante. Let me carry the chalice, Capone. Je me coucherai moins qu'on soit. Ma grand-mère qui a dû modifier la version. Ouais, c'est gros ça. Par contre, c'est immense. Hein. Oh putain. Il me faut un gravité. Cactus un peu là, non? J'ai pas de soin en plus, je crois. Non. Ça, j'aime bien ne pas réussir à faire... trois attaques. Zuna. Quand ça va être horrible. Oh, la map est horrible. J'ai fait le planning? Ouais, j'ai fait le planning. Mais il est pas à jour. Sur, je l'ai fait, mais je l'ai pas mis sur internet encore. Y a pas de soin. Ça va alors. Planning de la semaine prochaine. Oui, parce qu'on a un planning ici, madame. Quoi faire? Moi j'ai pas de planning, c'est selon motivation. Je sais pas quoi faire de ça. Examiner. Cet endroit a quelque chose de spécial. Mais oui, je sais! Mais je sais pas quoi faire! Thank you.
Un bec de zu. Il ne donne rien, lui. Mais il y a des trucs à faire partout. Ah ouais, ça a quelque chose de spécial. Putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur cette map là? Quel sort faut que je mette? Bonjour. Est-ce que ça me tue ça les... Ça me tue ça ou pas? Je suis dead. Je sais pas où je suis. Oh, ça va être un putain de labyrinthe encore. Oh. Où j'étais tout à l'heure, ça? Non? Si, c'est ça. Ils veulent pas me donner de soin. Yep, tout à fait. Minuit. Il manque vraiment une carte globale à chaque donjon, je trouve. Je viens de gagner des minutes pour mettre une goutte dans les dents de mon chien. Encore 2 semaines à tenir. Courage. Alors ça nous a ramené là. D'accord, ok. Putain la vache. Ok, ça marche, je te dis à tout à l'heure. Je vais aller stream jusqu'à 22h. Pas de soucis, à tout à l'heure. Des bisous et bon stream à toi.
Putain, mais ils sont combien? Ah, soit parfait. Ok, nous voilà venus à l'entrée. Est-ce que Nostin, je sais pas si c'est jouable ou pas, mais est-ce que tu penses que t'as moyen d'essayer de trouver... Attends, non, je vais y aller moi. D'essayer de trouver ce qu'il faut faire là. Comment est-ce qu'on fait pour les plantes? Ouais, c'est ce que je suis en train de voir aussi, moi, la Nostin. Alors, attends. En fait, c'est le poème qu'il faut faire ici. Hop. Mais c'est la même chose, en gros. Alors... Tu vas faire foudre sur le grand cactus qui se trouve tout au bout du monde. Tout au bout du monde. Ok. Déjà, non, c'est pas vrai. Donc là, il y a bien un truc à faire ici. Je sais pas ce que c'est, mais il doit y avoir un truc à faire. À
Attendez, est-ce que c'est... Oh putain, mais il y a encore une suite. Hop, et après il y a ça encore. Le timbre apparemment où faut longer à gauche et après ils nous ont dit tu descends. Mais tu viens de me le donner. Ça va peut-être pas leur prendre instant. Putain. C'est ouf ça. Ça, ça doit être les trois pierres. Ok. Un beau cactus, mais il n'y a rien à faire. Vas-y, c'est un grand cactus. Est-ce que c'est pas lui où faut faire foudre? Tout au bout du monde. En même temps, il n'a rien sur sa gueule, lui. Hein. Ça va peut-être marcher. Ça va peut-être marcher. Ça fait un truc bizarre, non? Bon, on verra si c'est ça ou pas. Il y en a encore un là en même temps. Bon, il y en a un encore là. Ah bah non, c'est lui le gros cactus. Ah! Ok. Par contre, il est toujours en croix rouge, donc je sais pas si ça a fait quelque chose ou pas, mais... Mardi que l'école reprenne, putain. C'est pas par là, descendre tout en bas, y a pas un truc par ici là? Non. Bon, j'ai pas l'impression que le mode timbre soit là.
chalice, Capo? Il est con lui, putain. En fait, non. J'aurais banni avant. Oh, j'aurais discuté pas avec lui à l'oral, surtout. D'abord. Voilà, du coup, il n'y a que ça ici, là. Non, bon, là, si on en suit le truc, là. Alors. Je vois plus vos messages si vous en mettez. Hein. Après, tu longes le mur de droite, tu vas arriver près d'une tente, et là, tu fais le sort gravité. Ok. On l'avait vu, la tente, tout à l'heure. Ah mais attendez, mais on n'a pas eu le moque-timbre à gauche. Putain, c'est ça. C'est pour ça qu'on est allé en bas, quel connard. Putain. C'est ça que je dois trouver en bas à gauche. Moi, je repars instant, mais... Il y avait une raison à ça, hein. Putain, par contre, gros, vraiment, t'es relou, gros. Voilà, j'étais sûr que c'était là en plus. Hello, Capo. Oui, il y a Mokhtam. Oui. Paint me, Capo. Whatever looks good, Capo. On lui a fait une petite beauté là. Putain, t'en as du poids là. Merde.
je m'endors. Allez, c'est bon. Tout neuf. C'est hypnotisant, mais oui. Ah, il fait doux, bah tant mieux. Non mais putain! T'es relou, gros! Non, je le garde là, c'est bon. Tu m'as saoulé, je le garde. Je te fais la tête. Avance maintenant. Donc là, gravité, ça a marché. Ensuite, tu longes toujours les murs et toi tu vas tomber sur un espèce de truc en pierre et là tu fais brasier. C'est ça là. Parfait. Ensuite, tu retournes auprès du cactus et pas très loin, il y a trois pierres. Tu fais glace sur chacune des pierres, de la plus petite à la plus grande. Ça doit pas être si loin que ça. Ouais, c'est là. Parfait. Parfait. Tu retournes au début et tu longes le mur. Tu trouveras une fleur. Et là, tu feras sidéral. Et je crois que c'est gagné. Donc sidéral au tout début. En mode larve activée. sidéral, on avait dit que c'était vie et foudre, non? Ah non, c'est brasier et vie. Parfait. Les cigales. C'est là normalement. D'ailleurs, elle est apparue.
avec ça. L'élément dans votre calice est maintenant inconnu. D'accord. Faut que je retrouve le truc là de tout à l'heure. Ah, ça va mieux au début ça. Il y a un truc comme ça qui m'avait amené je sais plus où. Faut que je le retrouve. Je crois qu'il était en bas à droite. Un tourbillon par là, là. C'est pas lui, là. Si, c'est ça. Putain, mais je suis trop fort. J'ai une mémoire. Oula. Poignée d'argent. Oh putain! Ah merde. Ok. Ils sont chauds, eux. Je me rappelle pas du nom des cactus, pourtant j'en ai battu pas mal.
Sur quel jeu? Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu que j'allais mourir. Oh putain. Et 13 de... Ah ouais, il y a des cactus dedans. Trop bon, putain. RIP. Oui. I'm dead. Il y en a deux. Un plaisir. Oh. Ok, moins un. Mais lui il meurt jamais gros hein. Oh putain il manquait un coup. Ça dégoûte. Y'a quoi de le côté là-haut là? Parce que ça a l'air loin. Y'a quoi par là? C'est hardcore un peu. Ouais, ils sont hard, ouais. Ok, autre map là.
It's your turn. On est arrivé. Putain, le donjon est hardcore, hein. Courage, coupom-pom. It's nice and cool, Capo. I'm tired, Capo. It's your turn. Ouais, j'espère qu'il sera pas trop hard non plus. Après, les ennemis, on les tue assez vite quand même. Je sais pas où on va là. C'est encore la suite. Il y a quoi au milieu là? Dépêche-toi! Je me meurs! Oula. Oula. Oh putain. C'est la glace. J'ai pas le temps. C'est pas la glace. C'est pas le feu. Merde. Ok, du coup, c'est pas la magie. Yeah.
quoi. Ça va la vie ou? On en a eu un. Putain, c'était, c'est le boss. Putain, j'aurais dû aller à l'autre côté. J'aurais dû aller de l'autre côté. Voilà. Oh bah. Un plaisir. Fourmilion. Très joli ça. Qu'est-ce que je vais savoir ce que tu crains, toi? Ah! Ok. Il va pas craindre la magie, tu vas voir. Ça va être que du corps à corps. Faire un peu de dégâts quand même. Bah, quand ça me dégoûte, j'ai un glacier X et il prend rien quoi. Aïe. T'as une portée enculée avec tes crochets de mort là, tes grosses mandibules de putain là. Ça, j'y m'en doutais. Putain. Merde. Mon dieu, magnifique ça bosse. Une horreur.
que de la horrible. GG, merci. Merci, merci. Putain. Oh la vache. Bobby qui m'invite en party. Mac Past Kapow. Yo mon pote. Salut mec. T'as un mec. T'as vu un peu? Je t'ai envoyé une invitation juste après ton combat. J'ai attendu que tu finisses. Une lettre de Pierre. Si vous pouviez faire un vœu qui vous apporterait le bonheur, que demanderiez-vous? Qu'est-ce qui vous fait le bonheur selon vous? Les pommes rayées? Je sais plus qui c'est, Pierre. La famille, être en vie. Être la famille. Tiens, Pierre. Des fleurs. I've got your reply, Capo. Oh la vache. So long, Capo. T'es chaud ce combat là. Ouais, il était ruiné. Il fait mal. Putain, là déjà il fait mal, alors vous imaginez plus tard quand on va devoir le refaire, ce donjon. Déjà le donjon est chiant. Mais alors quand on va devoir refaire le boss, putain. Alors, force plus 3. Force plus 2. Ah, on a enfin notre champ de commande en plus. Incroyable. Ça y est, on l'a eu, le champ de commande en plus. Du coup, on peut enfin avoir soin et un sort en X, si on veut. Et ça, ça fait plaisir. Il n'a pas battu le méga crabe quand même. Oh que non. Pour l'instant, aucun n'a battu le méga crabe. Clairement. Absolument aucun. Bon, nous, on va s'arrêter là pour ce petit temps sur Final Fantasy Crystal Chronicle. On se retrouve tout de suite sur Fall Guys. Fall Guys. Avec le pote. À tout de suite.